Bonjour Elena Parras. Bonjour. Tu es l'animatrice de l'atelier langue. Donc oui. Il s'agit de l'allemand, de oui. l'anglais, de l'espagnol, oui. de l'italien, c'est ça. Du russe, oui. de la oui. langue russe, oui. et aussi, ne pas oublier, le français pour tous oui. ceux qui veulent améliorer leur niveau à l'oral comme à l'écrit. C'est ça, soutien en oral et écrit. D'après ce que j'ai compris, il y a 7 modules de langue. Présentez-nous ces modules. Il y a un groupe d'allemands. Allemand, pour le groupe allemand, c'est plutôt la conversation, puisque l'animateur, il est d'origine allemande. Et donc, il y a 3 groupes d'anglais, 2 groupes de conversation. Quand je dis des groupes de conversation, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bases déjà de pouvoir parler. Et il y a un prof d'anglais qui enseigne grammaire, phonétique, lecture et conversation. Il y a 3 groupes d'espagnol aussi, pareil. Il y a 2 groupes de conversation, 3 groupes de conversation, 3 groupes d'espagnol. Il y a aussi le groupe d'italien. Italien, c'est conversation. Il y a le groupe de russe, ce qui me fait beaucoup de plaisir. Parce que c'est vous qui l'animez. C'est parce que je l'anime. Et parce que si je me souviens de l'époque, à Béziers, on enseignait le russe à lycée 1 et 4 et d'autres lycées, il y avait des enseignants russes et il y avait une amitié particulière avec la Russie. C'est vrai qu'avec toutes les autres langues, on est habitué, mais avec la langue voilà. russe, on est moins habitué. Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents qui participent à ce cours? Le groupe, vous savez, pour apprendre la langue, le meilleur, c'est avoir 10 personnes, pas plus. Et je les ai, je suis très contente. Et ce sont des personnes de mon âge qui ont commencé à apprendre le russe justement à l'époque où le russe était enseigné dans les collèges et lycées de Béziers. C'était presque obligé dans certains pays. Voilà, et qui aimeraient bien maintenir les bases. Et ce sont ceux qui font surtout plaisir, que vous savez qu'apprendre la langue, c'est pas seulement apprendre les mots, la conversation, c'est aussi apprendre la culture, la civilisation, échanger. Oui. Et c'est pas qu'avec le russe, c'est aussi avec les autres langues et ça se passe comme ça. Est-ce que vous avez une explication pour tous ces gens qui veulent absolument apprendre le russe? Bien sûr. Moi, je trouve que c'est très important pour moi. L'échange entre la France et la Russie était énorme. Si, à la durée de l'histoire, si vous vous souvenez bien, Anne de Kiev en 1152, il me semble, si je ne me trompe pas de date, elle a épousé le roi français. Oui. Donc notre histoire. Il y a l'histoire qui est voilà. entrecroisée. Voilà. Et même après, bien après, ça a été interrompu et repris. Mais vous savez que. Si vous venez en Russie, ça je vous le dis puisque je suis d'origine russe, il y a beaucoup de Français dans les rues et vous pouvez être sûr quand on reconnaît que vous êtes Français, vous êtes accueilli avec toute hospitalité. Et d'ailleurs, dans les maisons à l'époque, dans les maisons russes, on parlait beaucoup le français. Ah, mais ça c'est vrai, ça donc, c'est vrai puisque... Donc oui. Il n'y a pas une... Donc c'est peut-être... Non, non. C'est proche. Peut-être comme ça que s'est passé les affinités entre les c'est Russes ça. Et les Français. C'est ça. Et c'est entre ça. Les deux langues, ouais. effectivement. Il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'amour entre les deux peuples, moi, je dirais. Et bien sûr, un échange de culture. Oui. Ce qui me fait plaisir, que même les jeunes de cette nouvelle génération, ils connaissent bien la littérature classique française. Chez nous, c'est courant, chez nous en Russie. Là. En Russie voilà. oui. Et j'aimerais bien qu'en France, ça serait pareil. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'enseigner le russe et de partager aussi la culture russe ici à Béziers, qui est devenue aussi ma ville presque natale. Et pour les autres modules, donc les modules qui concernent les langues, la langue allemande, l'anglais, l'espagnol et l'italien, dites-moi, quel est le niveau de compétences qu'il faut avoir? Il y a des groupes de conversation. Il est très important, bien sûr, les échanges avec l'Espagne, puisqu'on est à côté. On est à côté. Ça, on c'est est à côté. Explicable. Voilà, on voyage beaucoup. Et vous savez que la langue, c'est un premier outil de communication. Voilà. Et donc, quand on connaît la langue, on se sent chez soi. Ouais. Voilà. On a accès à tout. Voilà, on a accès à tout. Et il est bien sûr très important de pouvoir parler. Ce qui concerne
les méthodes d'enseignement, ça dépend bien sûr de la formation laquelle possède l'animateur. S'il est vraiment professeur de langue, c'est une chose. Si c'est la personne qui est d'origine de cette langue, là, oui. Voilà, elle peut tout simplement maintenir la conversation, ce qu'on appelle. Mmh. Voilà. On prend des sujets de conversation de la vie quotidienne ou peut-être autres, et voilà, on fait les discussions. Et quand il s'agit des méthodes d'apprentissage, c'est la grammaire, la lecture, la phonétique, c'est déjà différent. Mais pour chaque groupe, bien sûr, il vaut mieux se renseigner auprès de chaque animateur. Des animateurs respectifs. Voilà. Il y a beaucoup de participants dans les groupes d'anglais, d'espagnol. On serait content aussi d'avoir les participants pour le groupe d'allemand. Il y a quelques places pour le groupe de russe. L'italien, c'est la conversation aussi, mais on aimerait bien aussi avoir des animateurs, puisque je sais qu'il y en a à Béziers quand même, beaucoup de gens qui s'intéressent aux langues étrangères. Mmh. On aimerait bien les inviter à venir chez nous, puisque nous avons notre petite école des langues étrangères, mais on peut toujours l'élargir, voilà. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez transmettre à cette occasion-là un message pour tous ceux qui sont natives de justement natives ce que j'aimerais bien faire italien oui qui puisse aider l'association dans ce sens-là oui, nous dans en l'enseignement avons des langues c'est des langues ça nous en avons besoin. Donc, et je vous invite de nous rejoindre pour tous ceux qui aiment les langues étrangères qui sont professeurs diplômés ou même pas ou natives voilà ça nous ferait un grand plaisir. Et je fais aussi appel à tous ceux qui s'intéressent aux Russes, puisque je sais qu'il y en a beaucoup à Béziers, aussi de nous rejoindre dans notre groupe. Voilà. Merci Elena. C'est avec Merci plaisir. Beaucoup. Bonne journée.